j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc ce sera un retour de course de chez Lidl. Donc j'en ai eu pour 79 € cette fois-ci. Pour commencer, j'ai pris de la lessive Ariel. J'ai pris un gel WC comme ceci. J'ai pris du produit vaisselle comme ça. Du savon pour les mains. Donc c'est une recharge au sureau. De la lessive, de la soupline, de l'assouplissant. J'ai pris deux paquets de mouchoirs comme ça. Ensuite, j'ai pris deux paquets de pruneaux comme ceci. Donc, il fait 400 grammes. J'ai pris un potimarron. J'ai pris deux quiches Lorraine comme ceci. En sortant du travail, j'avais faim. J'ai pris deux barquettes de framboise, donc la barquette elle fait 125 grammes. J'ai pris de la laitue. J'ai pris un jus d'orange sanguine, il est super bon celui-là. J'ai pris un pack de 6 bouteilles d'eau, saguaro. Ensuite j'ai pris deux ficelles comme ça aux olives, super bon. J'ai pris 10 kiwis, des chips de légumes. J'ai trouvé ça, ça m'avait l'air bon, c'est des galettes de riz recouvertes d'une préparation à base de lait fermenté. Donc voilà, apparemment c'est du chocolat blanc. J'ai envie d'en goûter un. Hein. Ah oui, donc c'est comme ça. Galette de riz avec du chocolat. C'est super bon. Ensuite j'ai pris du raisin blanc. J'ai trouvé ça, des brochettes de fromage frais avec du saumon. Ça m'a donné envie. Ensuite, toujours de la marque Deluxe. Ils ont un beau rayon, là, cette marque-là. J'ai trouvé du pâté en croûte à base de saumon, merlu blanc et légumes. Ça m'avait l'air bon aussi. J'ai pris des allumettes de lardons. J'ai pris deux paquets comme ça. Ensuite, pour le travail, j'ai trouvé des petits desserts comme ceci, tout mignon. Donc, ce qui m'a plu, c'est que c'est du verre. C'est des petits verres en verre. Et donc, c'est du chocolat. Chocolat et banane, celui-là. Ça m'a l'air très bon. Puis, pour le prix, j'ai dit pourquoi pas. Donc j'en ai pris un au chocolat noir, comme ça, et c'est bien parce qu'on peut garder le verre, voilà. Ensuite, toujours pour le travail, j'ai trouvé des smoothies pommes pêche abricots, donc c'est bien pratique. Pommes raisin fraise cassis mûres, pommes banane mangue, banane raisin canneberge grenade açaï, pommes pêche abricot, pommes banane mangue et deux raisins aussi. Ensuite j'ai pris des protections hygiéniques. J'ai trouvé ce gel douche, j'ai jamais testé, Magnolia, et j'ai vu qu'il y avait des perles d'huile. Je sais pas si vous voyez, vous voyez qu'il y a des perles à l'intérieur. À voir. J'ai pris du reblochon. J'ai pris du dentifrice. Celui-là, je l'aime bien. J'ai pris du jambon.
faire dodu, cordon bleu de dinde, et j'ai repris des panais comme ça au fromage, ça faisait longtemps. Voilà, donc je crois que c'est tout. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je tenais à remercier le cocon de Sophie. Sur Instagram, j'ai gagné à son concours. Voici le magnifique bracelet que j'ai reçu. Malheureusement, je l'ai perdu en allant me promener sur la Côte d'Azur. Je l'aimais beaucoup, je le trouvais super beau et je suis vraiment déçue de l'avoir perdu. Mais je tenais à te remercier parce que ça m'a fait énormément plaisir. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Elle fait aussi d'autres concours. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.